Bim bam boum, épisode 6 directement. Et on va le faire tout de suite, lui. On va le tenter pour voir. Parviens à éclater au moins 17 ballons, ça sera le bon début. Faire une partie, vas-y. 30 ballons au total, 45 secondes pour en éclater autant que possible. Il a dit 17 minimum, hein. Je crois. Voyons voir. Ah, ok. Attends. Du coup, est-ce que j'ai juste à foncer dessus ou pas? Ouais, j'ai juste à foncer dessus. Ah, par contre, il y a des Pokémon dans les environnements, évidemment. Ah oui, d'accord, là, il faut que je saute. Ok. Merde, j'en ai loupé un. Ah, j'en ai loupé un. Bon, c'est pas grave. Ah, j'en ai loupé un, punaise, c'est dommage. Je veux pas faire de perfect. Ok, de toute façon, j'ai dépassé 17, il avait dit 17, hein. Ah bah tiens, super. Oh bah tiens, oh la vache. On peut pas avoir les 45. Ah non, il avait dit 30. Il avait dit 30, il avait dit combien? Je suis sûr que les 30, on peut le faire. 27 ballons. Tu seras bientôt un expert. Tu mérites cette récompense. 10 Pokéball, ok. Attends, je veux le faire. Tu atteins 17 ballons avec un vitex bien éclaté. Je te félicite. Ah, on a chopé 15 Plumeball et un super bonbon, cool. Ah, il y a d'autres défis comme ça. Trop, trop bien. Bon, on a chopé des Plumeballs, ce qui nous servira pour les prochains, pour les captures dont on parlait dans le précédent épisode avec Etou Raptor. Trop cool. Bon, allez, vas-y, on se dépêche. Allez. Vas-y, go. Attends, je vais récupérer ça quand même. Ah bah tiens, il y a un Pokémon là-dedans. Je le capturerai bien quand même, le Shinichi. Il attaque, vas-y. Ah mais non, en termes de gameplay, il est vraiment génial, le jeu. Franchement, je passe un excellent moment. Genre vraiment. Allez, vas-y, viens là. Hop là, merci bien. Ça c'est fait. Attends, par contre. Merde. Punaise. Je fais n'importe quoi. Je viens de craquer 15 Pokéballs pour rien. Terrifiant. Terrifiant. Ce qui vient de se passer. Allez, vas-y. Bah, tu sais quoi, de toute façon, farmer ce genre de choses, ça sera toujours utile. Ah tiens, il est là, regarde. Il est là. Ok, voyons voir. Ok, j'ai ma plume ball. Ah punaise, je l'ai raté. Ah, tu peux pas récupérer les pokéballs que tu lances dans le vide, non? Ok. Je le tente. Maintenant. Quoi? Quoi? Pourquoi? Merci Marina pour ton resub. Ah, mais merci quand même. Vas-y, rentre, reste dedans. Non. Reviens. Je veux le capturer. Punaise. Tu rentres dans ce Pokéball. Voilà, merci. Niveau 34 en plus, la vache. Ah ouais. Je m'en fous. Je l'ai eu. Niveau 34, hein. Cet abus. Non mais attends. Oh. Ah ouais, je passe vraiment, j'adore. Clairement. Viens ici toi. Ah bah tiens, niveau supérieur pour mon Ponyta aussi. Vas-y, éclair.
Apparemment, si, il y a le gyroscope de dispo, apparemment. On peut le mettre, en tout cas. Je peux passer par là-bas. En tout cas, j'en profite quand même. Ça nous fait de l'XP. Allez, go. Allez, hop. Vas-y. Ça, c'est fait. Ok. Allez. Attends, il y a encore le castorno qui est là. Attends. Ouais, j'ai testé en nomade, il est beaucoup plus joli en nomade. Hein. En nomade c'est vraiment super cool. Ah, je le préfère en nomade, honnêtement, ouais, clairement. Niveau 22 pour Pikachu. Oui, je sais qu'on peut le viser avec Zadel, ouais. Je sais. Psychopathe encore. Ok, 5 sur 6 spécimens attrapés pour lui. Ok. Ok, 6. Bientôt au niveau 27 d'ailleurs pour notre petit starter. Hein. Ok, allez, vas-y, go. Alors. Attends, je vais aller voir ce qu'il y a par ici. Oui, non, on va avancer. Niveau 26, notre Matloutre. Hein. Matloutre. Bientôt 27. Hein. Allez, vas-y, viens là. Oui, on a trouvé un moyen de l'apaiser. Absolument. Oui, on va lui lancer des aliments sur lui. Bah ouais, écoute. Je peux me servir de l'étouraptor. Alors, il est au niveau 34, c'est-à-dire qu'il me... Il va peut-être pas m'obéir comme il faut, mais oui, bah comme dans les autres jeux Pokémon en fait, tu vois. Pourquoi il a apporté des fèves dodu, ok. On a pas les mêmes coutumes, ok. Attends, quoi, ok, super. Si t'arrives à nous battre, mon Givrali et moi, je te laisse t'occuper d'Achecator. Vas-y, c'est parti. Vas-y. Allez. Ah, tu peux faire ce que tu veux, tu peux choisir ta façon de combattre, bien sûr. Oh, le petit Givrali. Bien sûr, c'est ça qui est cool. Hein. Ah, je suis niveau 26 en même temps, on a bien farm. Cool la pluie. Est-ce que je le recommanderais à une personne qui a jamais fait des jeux Pokémon? C'est compliqué. Oui, moi j'ai envie de dire oui parce que c'est tellement différent des autres jeux. Merci Aragorn pour ton resub. Ah, c'est ton sub-niversaire en plus. Merci beaucoup pour tes 2 ans de sub. Merci énormément. J'ai envie de dire oui parce que ça change totalement de ce qu'on connaît habituellement. Maintenant, si t'aimes pas ce système de capture, non. Enfin, il faut aimer le principe. Je pense que je peux être confiant, ok. Ok, il me soigne et on va aller voir. C'est quoi du coup le plan du groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec les aliments? On va faire des bouboules et après on va lui lancer dessus. On peut s'approcher de l'achégateur, vous voulez faire une boule avec des aliments puis lui lancer. C'est ça, une boule pacifiante. C'est décidé, mettons-nous à l'ouvrage et préparons cette boule pour aider Achecator. Ok.
Et voilà une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour roi de la forêt. Ok, elle est pacifiée, ouais. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ah, cool. Allons-y. C'est parti. Compris. Allez, c'est parti. Bah, ce cateur, roi de la forêt, il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité. Mais nous avons quand même apporté ton mets préféré, viens le déguster. Toi qui es notre roi, qui œuvre pour nous tous, entre terre et le ciel, je t'implore. Puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Edouard, écoute-moi, la clé de la réussite, c'est l'esquive. Alors fixe bien ton regard sur Ashekater. Tu vas devoir éviter ses attaques et lui lancer des boules pacifiantes si tu veux le vaincre. Très bien. Ashekater. Je pense pas qu'il parle comme ça, mais allez, c'est parti. Waouh. Ça fait un grand arbre, ça. Ah, la voilà, la fameuse cinématique. Le voilà, El Famoso. Bon, j'ai fait une capture d'écran noir, super. Ok, peu importe que vous remportez la victoire contre un Pokémon roi ou reine, vous devez réduire sa jauge de frénésie. Ok. Quand un Pokémon est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une balle au partenaire pour l'affronter. Remporter le combat, soit dans, sans défense. L'effet du boisson sera alors décuplé. Ok. Waouh! Ah oui, pour la vache. Attends, lancer une Pokéball pour vous battre. Ok. Il est au niveau 18. Ça va, tranquille. Ça va, tranquille, 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 tranquille. Tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même lancer un aquajet en puissant. Boum. Oh, j'ai eu peur de le one-shot. Ah, il fait mal. J'ai tellement eu peur de le one-shot. Ok, ah oui, d'accord. Attends, 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 attends. Waouh. Ouah, il fait mal. Waouh. Attends. Oh, il est pas trop compliqué, lui. Oh, vache. Non mais t'abuses. Ah, je fais pas attention aussi. Attends, je fais pas attention du tout. Hein. Ah, faut faire vachement gaffe. Attends. La vache, la vache. Ouah. Ok, on y est. Ah, c'est bon, on y est. Attends, c'est moi qui l'a eu? Non, c'est bon. C'est bon. Ah, ok. Oui, ça le pacifie vraiment. Excellent. Ouah, toute l'XP! La vache! On peut pas mourir, on peut tomber dans les pommes, ouais. Il faut tout recommencer. La plaque insecte, ok. Une tablette en pierre imprégnée, point... ok. Oh, c'est intéressant cette petite séquence. C'est pas... ça change. Ok, direct la lumière qui illumine le corps de Ashekater a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui est à l'origine de sa force effrayante. Peut-être bien.
Voici ce que j'en pense. Alors, l'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Shigator a peut-être frappé par cet éclair et ça l'a rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle? Mais alors ça prouve que le grand silo se trouve bien derrière la faille. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de le calmer? Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant. Il a toujours été protégé. Bien sûr qu'on a fait ce qu'il fallait. Ok. Ok. Très bien. Merci de nous avoir aidés avec plaisir. J'ai toujours pas à comprendre pourquoi. Ok. Eh ben écoute, faut utiliser l'aquajet. Il me reste deux aquajets à utiliser pour informer le dirigeant comme il a réussi de votre mission. Yes. Vas-y. Bah non. Je vais passer comme ça, c'est plus simple. C'est cool avec la petite pluie comme ça. Ok. Attends, y'a un petit Kyokwak aussi, attrapé. Ok, 7 sur 12 pour le Laporeil. Monsieur Mime Junior, il est au niveau 17. Oh, je l'ai raté. Okay. Ah, petit Kyokwak, je l'ai pas eu. Ah, oh, punaise, il m'a vu. Attends. La petite cachou. Waouh! Oh la vache! Ah oui, d'accord, il est furieux, lui. Ah, quand même. Allez hop, merci bien, salut. Hello, hello Shayuken. Salut à toi. Très bonne quoi, j'adore. Moi je passe un très très bon moment. Comme j'arrête pas de le lire d'ailleurs. Impression générale, moi je kiffe. Je kiffe vraiment. Surtout avec la monture en plus, là c'est trop cool. Hein. Ah, je l'ai pas eu, attends. Je l'ai pas eu le truc. Ah, attends, parce que je me suis trompé, j'ai envoyé une Pokéball. Merci de m'avoir répondu, bah, avec plaisir. Avec plaisir, les streams sont là pour ça. Avec plaisir. Ah, il a bougé. Ah non. Ah, le fourbe. Quel fourbe. Je vais le tenter avec les tours volts. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont fourbes ceux-là. Ah, les apitrini. Attends. Je dis pas non. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, ça me fait rapide. Ok. Je vais me demander qu'est-ce qui est en train de me tirer dessus là. Blender. Allez, salut. Zut, il m'a vu. Oh, il y a des astécateurs. Trop bien. Attends, je vais essayer de les choper. Ok, il y a des astécateurs. Il me les faut. Il me les faut absolument. Merde, je l'ai raté. Ok. Allez, vas-y, on y va doucement. Il nous les faut. Merde, il s'est échappé. Vas-y, d'ici ça passe, je suis sûr. Vas-y. Pas du tout.
Je peux pas. Et merde. Et merde. Et merde. Et merde. Et merde. Évidemment. Le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas. Bon, je vais essayer de choper les deux autres de manière assez discrète si c'est possible. Attends. Après, j'ai des baies aussi, hein. Alors, si je les attire avec les baies, je peux peut-être faire quelque chose, hein. Regarde. Yes, c'est bon. Cool. Bam, les deux. Shiny ou ça, Shiny? Quoi, lequel? Quoi? Ah, celui que je viens de buter, c'est un Shiny? Tu déconnes. C'est une blague? Ah, celui-là, c'est un Shiny, peut-être? Lui, là? Attends, quoi? Ah, peut-être pas, non. Je viens de l'attraper? Bon, c'est pour de vrai? Bah, je sais pas, peut-être. On va regarder. Ah bon? T'es sûr de ça? On va aller regarder. Peut-être, ce serait cool. On va aller regarder. Je l'ai pas vu alors. Je sais pas. Peut-être. Je l'ai pas vu. J'avoue que je l'ai pas vu. Ah, je peux pas le voir ici, faudrait que je le voie après. Je le verrai quand je retournerai au camp. Ah bah tiens. On verra quand on retournera au camp. Ah bien sûr. Ok, bon. Ça c'est fait. Je vais récupérer ça. Miel qui brille. On va peut-être se téléporter hein, après. Hein, parce que là. Ouais, ouais, il y a des voyages rapides, c'est ce que j'étais en train de dire justement. Parce que. Parce que sinon, ça va mettre 2 ans à y aller. Alors déjà, il y a quelque chose dans l'arbre. C'est quoi? Un apitrine. Vas-y. Ah, cool. Vas-y, ça passe, ça passe, ça passe. Ah, ça serait notre premier shiny, un sécateur alors? On va aller vérifier ça, tu sais quoi? Regarde, on va y aller tout de suite. Éclat de ballon, donc ça c'est fait. Ah, tiens, il y a un sac à récupérer ici. On va peut-être aller chercher le sac aussi. Attends, je vais juste là 2 secondes. On va regarder. C'est quoi? On va aller voir. On va aller voir. Hein. Voir mes Pokémon. On aurait chopé un shiny alors. Ah ouais. Ah ouais. Mais oui. Ben oui. Eh oui, oui, il est shiny, je confirme. Excellent. Oh bah attendez, on va faire un truc. Ah, excellent. Publié. Mais excellent. Trop bien. C'est trop trop cool. Trop trop cool. Bah je le poste sur Twitter. Trop trop bien. Ok. Trop bien, trop bien. Merci, genre, je l'avais même pas vu. C'est trop trop cool. Excellent. Allez, publie sur Twitter. Les shiny, c'est juste que c'est des Pokémon un peu plus rares. Et ils changent de, ils ont des couleurs différentes. Et puis en général, ils peuvent avoir aussi des... ils peuvent être un peu plus puissants de temps en temps aussi. Mais c'est trop cool qu'on ait notre premier shiny. Trop cool. Ah, trop content.
Mais en tout cas, il a une couleur différente. De base, c'est ça. Un shiny, c'est un Pokémon avec une couleur différente, plus rare. Mais il peut aussi avoir des trucs un peu en plus. Bah écoute, trop bien. Bah attends, tu sais quoi? On va le noter. Regarde, on va le marquer avec une petite étoile. Attends, je l'ai noté. Attends, marqué. Petite étoile. Voilà, c'est bon. Cool. Eh bah écoute, ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est très très cool même. Par contre, je vais peut-être dormir un peu. Me reposer. Parce que là, mes Pokémon, ils sont un peu... voilà, un petit moment. Vas-y. Bon, attendez, on va aller choper le sac qui est là-bas. Trop trop cool. Trop trop chouette. Oula, par contre ils vont m'attaquer tous les deux là. Là je sens qu'ils vont me faire attaquer à deux là. Merci Exar pour ton resub. Ouais, je confirme, ils attaquent à deux. J'ai peut-être le Baudry, il faut que je l'attrape je crois. Ah non, il fallait que je le batte. Faut que je le batte le Baudry. Alors à quoi j'ai, il fallait que j'en fasse quelques-uns. Bon, en tout cas, très content d'avoir chopé déjà un shiny au bout de 6 heures de jeu. Trop cool. Trop trop chouette. Je suis pas trop dans la chasse au shiny, sauf quand j'en trouve un au hasard. Et là, j'avoue que le hasard fait bien les choses. Donc très chouette. Très très cool. Surtout sur un assécateur. Que le premier shiny soit un assécateur, c'est très très cool. On va pas s'en plaindre. Hein. On ne va pas s'en plaindre. Salut à ceux qui débarquent, bienvenue. Ok, on en est où pour les Baudrys? 22 sur 40 spécimens vaincus, on a le temps. Est-ce que je vais le mettre dans mon équipe? Bah pour l'instant non. C'est pas ça que je vais faire. Pour l'instant non, parce que j'essaye de faire évoluer tous les Pokémon que j'ai pour compléter le Pokédex. Mais peut-être à terme, je sais pas, on verra. Bah de toute façon le but c'est que tu vois. On le voit à quoi à l'écran? Il y a des petites étoiles. Hein. Il y a des petites étoiles et il a une couleur différente. Mais là en fait le insécateur c'est très discret, c'est juste la couleur ici là qui est un petit peu différente. Mais selon les Pokémon, ça peut être un peu plus impressionnant au niveau des couleurs. Ça fait toujours un peu mal ça. Quel a été mon premier Pokémon shiny? Tout Pokémon confondu. Bah j'en ai pas eu beaucoup, hein. J'en ai pas eu beaucoup. Salut MJ. J'en ai pas eu beaucoup. Oh, un Evoli! C'est un Evoli Baron en plus! Mais attendez, mais c'est quoi cet épisode? Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Mais c'est fou! Mais c'est fou! Mais quel épisode! Oh là là! Attends, faut pas que je le bute, hein. Faut pas que je le bute par contre. Mais un shiny, un Evoli Baron, mais trop content. Attends, faut vraiment pas que je le bute, je vais y aller délicatement. Je vais y aller avec des charges, parce que j'ai un peu peur. Il a les yeux rouges parce que c'est un Pokémon plus puissant que les autres, c'est un Baron. Enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle dans ce jeu-là. Oh putain, il récupère tout. En fait j'ai peur de le buter si je fais ce que je suis au niveau 28. J'ai peur. Merci Mandarine pour ton sub. Oui, il fait météore en dormant. Ah oh, punaise évidemment. Oh ça va faire mal ça. Aïe aïe aïe. Il m'a buté mon Pokémon le plus puissant. Bon, en fait, j'ai peur de le buter, donc en fait, faut que je fasse attention. Ok, Pokéball, vas-y, go. Attends, si je peux avoir mon premier Evoli, ça serait génial pour le faire évoluer après. Surtout un Baron. Allez hop!
Evoli, c'est fait. Premier Evoli est capturé. Et c'est un baron. Trop content. Ce jeu Pokémon, je l'adore. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Oh là là. Eh, le petit shiny pour débuter. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, par contre, rappel. Utiliser sur ma poutre. Vas-y. Quel kiff. Attends, la sacoche, elle est censée être par là. Elle est là, regarde. Ma sacoche, elle est là. Elle est là. Ok, sacoche, objet perdu, renvoyé à Richard. Hop là. Forum des objets perdus. Vas-y. Oui. Et je chope 95. Ah ouais, cool. Attendez, mais c'est trop cool. Je suis tellement heureux. Attendez, par contre, il fallait que je capture des Monsieur Mime Junior et je sais qu'il y en avait par là. Je sais qu'il y en avait tout au bout ici, donc on va y aller calmement. C'est là où je les avais trouvés la dernière fois. Attends. C'est pas un open world. C'est des grandes zones ouvertes. C'est quoi ça? Ah oui d'accord, bon c'est juste un shiny bot. Normalement tu pourras choper, tu peux choper tous les Pokémon dans ta version ouais. Bon, allez vas-y. Question. Oh sinon on va le chercher. Vous savez quoi, on va aller le chercher. On va aller le chercher tout de suite, ça sera fait. On va stepper à ce moment-là ici. Vas-y, on stepper direct. Et franchement la téléportation qui est rapide comme ça, c'est quand même un kiff. Hein. C'est quand même chouette. Hein. Ouais, je récupère tout ça. C'est quoi, j'enchaîne un peu. On va faire quelques combats quand même. Bon, charge devrait suffire normalement. On en est où de cette spécimen vaincu 5 sur 10. Ok. C'est par là, hein. Ouais, c'est par là. Ok, ça c'est important pour faire des Pokéballs derrière. On en a besoin. Par où je passe? Par derrière peut-être pour le choper. Je peux... Ah peut-être pas. Je sais pas si je peux avancer ici. Si j'ai l'air de pouvoir passer. Ok. Ok, on peut passer ici. Oh y'a alors... Ouf. Alors le... Oh, je sais pas... Alors... je sais pas du tout si je le tente ou pas celui-là. Il est au niveau combien? Lui il me paraît un peu plus... Attends, il est au niveau combien? Niveau 45. Oui, non, je le tente pas. Merci Kikinou et merci merci beaucoup à Angezo aussi pour vous. Merci pour vos resubs, les gars. Merci beaucoup. Ah! Oh, excellent! Attendez. J'essaie de le choper. Ah ouais, c'est un baron. Non, je pourrais pas le choper, lui. C'est pas 45, c'est même pas la peine. Hein. Ah bah tiens, il a 10 d'or en plus, donc très bien pour lui. Attention. Boum! Allez, vas-y, rentre là-dedans. Ah punaise. Ça va être chaud. Ah oh, punaise, ah, il va se barrer en plus. Merde. Je ne suis pas là. Retourne-toi. Je ne suis pas là. Retourne-toi. Il y a personne. Et en plus c'est le c'est l'X-Ray donc c'est l'évolution qu'il nous faut. Bon tu sais quoi? Attends. En fait tu fais ZL et tu vois le niveau.
Vas-y, je le retente. Ah! Bon bah tant pis, allez vas-y, on va l'attaquer. Il est au niveau 32, non? Allez, vas-y. Allez, je le tente quand même. Il va me faire une attaque électrique, ça va être fini pour ma loutre. Ah, cage éclair, évidemment. Évidemment. Oh, ça fonctionne toujours cette technique! Ah, évidemment, il se fait buter. Oh, la technique fonctionne même dans celui-là. Allez, vas-y, racaillou. Faut surtout pas le buter en fait. Encore un petit peu. Et ouais, mon gars, ça n'a aucune sorte d'intérêt de me faire des attaques éclairs. Ok, allez, vas-y, on va le tenter là. On va le tenter. Ok, on va le tenter. Allez, go. Allez, allez, allez. Non ! Oh, la vache ! Allez, rentre. Ça passe pas, hein. Niveau 32 et tout, hein. Ça passe pas du tout. Hein. Le problème c'est que là je lui mets n'importe quoi, il meurt et je veux pas le buter en fait. Au bout d'un moment ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Après j'ai quoi d'autre comme Pokéball hein. Enfin, j'ai des Plimballs et des Pokéballs, ça sera mort. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh bah si en fait. Oh, en fait si, bon, c'est très bien. Oh la vache, il fait mal. Oh. Il fait tellement mal. Vas-y, ça va passer là quand même. Allez, dis-moi que ça passe. Voilà, merci bien. Allez hop, ça c'est fait. Spécimen capturé, niveau 32. Ok, super. Bon, tu sais quoi, je leur mets des rappels. Comme ça au moins c'est fait. Parce que ça m'embêterait, c'est pas grave. De toute façon, les rappels, on les craftera, ça ira. C'est pas grave. Allez hop. Oh, ça fait plaisir, tiens. Bon, et bah ce Pokémon, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ok, 200 mètres pour le sac. On va y aller. Ok. Attends, il est où le sac? Alors ça c'est important, on en a besoin. Un fragment de fer aussi, cool. C'est quoi la technique pour la paralysie? Ah mais c'est pas que la paralysie, c'est tous les effets de statue en général, sauf sommeil, c'est qu'en fait tu fais t'en fais 3 comme ça, et après tu reviens sur ton attaque, et moi ça va toujours fonctionner. Donc, tu fais 3 fois le tour des attaques. Merci Dibou pour ton resub. Ouais c'est bon, on va lui donner une potion après. Vas-y, charge, ça devrait passer. Ok. Attends, bouge pas. Potion, mal l'autre. Non, non, attends, allez, on avance. Ah, dévisement, cool. Hop là, ok, le sac il est derrière. Ah bah tiens, regarde, il y a encore un Luxray et tout là. Il est où le sac? Ouah, mais attends, ils sont blindés dans cette région là. Ah, c'est par là. Et au moins on récupère de quoi faire des Pokéballs là. Ah, il va y en avoir un là-dedans. Ok. Wow! Excellent!
Ok, le Gravalanche, il est pour nous. Ok, il est pour nous. Mais à quoi j'ai peur de le buter directement. Oh là là, on a de la chance. Attends, il y a le Luxray par contre. Attends, je vais essayer de le capturer. Allez, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Vas-y, je le tente. Allez, je le tente. Allez, rentre, s'il te plaît. Ah, punaise. Ah, mais mon matloutre, il est dans la merde. Hein. La barre de fer. Allez, vas-y, go. À combien de temps de jeu? Je pense qu'on doit être à 7h. 7h, 7h30 de jeu, pas comme ça. Allez! Ça rentre. Alors, par contre, le Luxray niveau 31. Aïe, aïe, aïe. Ah, évidemment. On va le choper avec. Ah, niveau 31 quand même. Bon. Là, je vais pas partir. Je vais pas m'échapper, vraiment. Vas-y. Ok, ça passe pour l'instant. Hello à ceux qui débarquent, bienvenue! Merci à ceux qui follow aussi. Ah, ça c'est fini pour Ponyta. Super. Ah, ils sont blindés quand même. Il y a un level de difficulté qui est intéressant, je trouve. Mais non, pas éclair! Bah oui, mais non! Ah, évidemment, 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 évidemment. Bon bah Ah, ça? Ouais, pff, oh là 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 là. Non, j'utilise pas puissant ou rapide sur ce genre de Pokémon parce que surtout quand ils sont high level comme ça, au final. Et puis en plus tu perds en opportunité, je trouve. Ok, Gravalanche c'est fait. Caillou est fort. Ah mais j'ai plus de place. Ah, il peut évoluer. Ah, trop bien. Attendez, il peut évoluer. On tire à Caillou. Bon bah de toute façon j'ai attrapé son évolution, mais allez vas-y. Puis les évolutions sont tellement badass comme ça. Oh yeah. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Et bah nickel. Par contre. Attends. On va crafter quelque chose. Ah oui, du coup, j'ai pas mal de choses. Confection. Ah, j'ai pas assez de place dans la sacoche, tu m'étonnes. Je peux faire ça. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est super potion. Vas-y, 17. Ok, je récupère ça. Attends, je récupère la sacoche qui est là et on va rentrer au camp. Parce que ça va être la fin de l'épisode, là. Ça va être la fin de notre épisode. Ouah. Attends. Tu sais quoi, je vais essayer quand même de les choper. Je vais essayer de le prendre par surprise. Là. Vas-y, je le tente quand même. Même si j'y crois moyen. Ouais, bien sûr. Oh, le mauvais plan. Alors là, ça c'est vraiment le mauvais plan parce que là mes Pokémon ils sont en galère. Ça c'est vraiment le mauvais plan si je me fais attaquer. Ok, ça coche, c'est bon. Vas-y, je me tire. Vas-y, je me tire. Vache. Merde, y'en a un dans l'arbre. Eh ouais. Oh punaise, ils vont m'attaquer en même temps. Bon, ça va, c'est des petits. Ça va. Là, par contre, on va l'utiliser le style puissant. J'ai de quoi avec la monnaie. Eh bah, tu peux acheter des éléments pour crafter. Tu peux acheter des Pokéballs quand t'es à court d'éléments de craft. Tu peux acheter également des plans pour t'apprendre des plans de craft. Et tu peux acheter des vêtements aussi. Et il y a des amulettes aussi. Et les améliorations de sac. Tu peux acheter des améliorations de sac avec l'argent.
et ça coûte très cher. Ok, ça c'est fait. Ok, bon. Bon, on a récupéré tous les sacs qu'il y avait. Vas-y, on va se remettre là. De toute façon, ça va être la fin de cet épisode. Ça va être la fin de cet épisode. Pour là. Et ben écoutez, voilà, on valide. 19 Pokémon à ce que je vois. Oui, on fait notre rapport et c'est la fin. Regardez le petit... Eh, franchement, le Shiny, il fait plaisir. Il fait super plaisir. Avec le Evoli Baron et le Shiny, trop content. Pokémon Baron attrapé. Hein, j'ai chopé 7000 d'argent. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Alors, la question c'est de savoir est-ce qu'on a passé un level ou pas pour la quatrième étoile. Je pense pas. Mais sait-on jamais. Ah si, peut-être. Ah punaise, non, regarde. On est à un poil de fesses du truc. C'est très impressionnant. On devrait retourner au village pour l'annoncer à Cormier. Et ouais. Et oui. Crash, je te jure. Oh là là, j'ai vu une lumière s'élever vers le ciel, ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Mais c'est incroyable. C'est bien une plaque que tu as là, montre-la moi s'il te plaît. Ah, c'est un bon épisode. Ah, je veux dire, entre le Shiny, le Evoli Baron et le Hachécateur, honnêtement, gros épisode. Là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende, où est-ce que t'as trouvé ça? Ah oui, vraiment. Tu as donc reçu une plaque après que ça avait l'air reconnu ta valeur et un autre avoir appelé ça à Shakator. Ok. Passionnant, tout ça est vraiment très excitant. C'était qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre coins de Hisui. Si on arrive à toutes les réunir et à lire leurs signes, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Légende et mystère qui nous laisse l'histoire, il n'y a rien de plus fascinant. À bientôt. Eh bien, à bientôt. Écoute. Très bien. Alors. Est-ce qu'elle a pas des nouveaux vêtements, par hasard? Ah, des nouveaux articles, cool. Acheter des vêtements, tiens, voyons voir. Ça c'est les différentes casquettes. Oh, ça c'est juste les couleurs. Ah, bandeau. Ah, stylé. Ah, trop bien. Oh, j'ai peut-être acheté ça. Attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un masque Lixi. Alors les masques je m'en fiche. Les bandeaux, non je vais acheter le chapeau. Attends, je vais acheter le chapeau hein. Bandana. Bon attends, je vais acheter le chapeau de ouf. Il est où? Bandeau. Bandeau, 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 bandeau. Chapeau. Évidemment que je l'achète. Oui. Oui, portez tout de suite. Cool. Kimono. Kimono noir encre, rouge écarlate. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est tous les kimonos. Ah, kimono extravagant Hachécateur. Ah, veste de festival. Ah, ils sont trop cool. J'aime bien le kimono. On va le mettre. On va changer notre. J'aime bien celui-là, le rouge. Vas-y. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Culotte longue. Oui, pensez à vérifier les cadeaux in-game, ouais. Vous avez des cadeaux, ouais. C'est dans les cadeaux mystères en général. Ah, trop cool, ça c'est des tenues complètes. Ah, encore, enfin des nouvelles... Attends, je vais changer, je vais mettre... Non, je vais garder ça. Alors, enfin des nouvelles sandales. Donc ça, c'est tout ce qui est sandales. Qu'est-ce qu'on a? Chaussures. Ah, ben voilà, chaussures. Ça, j'aime bien. Vas-y, je pars là-dessus. Il y a beaucoup de choses, ouais. Ok, et... Ah, il y a des lunettes. Des binocles. Binocle, binocle, binocle. Trop mignon. Binocle à vert teinté. Vert teinté prune, indigo. Vas-y, j'en prends. Qu'est-ce qu'on prend? Noir d'encre. Vas-y, je prends celle-ci. 2000 par contre, hein, c'est cher. C'est cher, mais par contre, c'est stylé. Ce sera tout, oui. C'est trop stylé, regarde. J'adore. Il a un style, il a un style, il a un style particulier. Voilà. Attends, j'envoie ça, restitution. On a 250, on a des points de bonnes actions aussi. Donc non, on va pas faire une coupe de cheveux, c'est bon. Je regarde s'ils ont pas d'autres...
Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il a pas des plans? Ça c'est quoi? Ça c'est pour manger. Ah, c'est lui. Attends, est-ce qu'il aurait... Attends, il avait une mission pour moi aussi, non? Attends, méthode. Ah si, cool! Méthode pour un super remède, j'achète. Ah, c'est 3000, hein. Oh, c'est super cher derrière! Muscle plus, vas-y, j'achète aussi. Bah, tu sais quoi, j'achète tout, à pas zélé. Vas-y, tu sais quoi, on achète tout au fur et à mesure, hein, tant qu'on y est. Par contre, ressources... Ah, il en vend! Oh, bien ça! Feuille ronde, confection d'objets à lancer. Ah, c'est trop bien, il en vend! Attends, j'en achète. J'en achète, ouais. Ah, trop bien. Objet, confection, qu'est-ce qui me manque? Galets azur. Bah, j'en ai acheté des galets azur, je viens d'en acheter. Non? Qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, j'en ai acheté des galets azur, non? Bah, ah, peut-être qu'ils sont dans ma... Ah, c'est ça, ils étaient dans le sac. Ok, super. 5 plumes. Super ball, on va s'en faire quelques-unes. Tu sais quoi, on va se faire 22 super balls tout de suite. On va se faire des mass balls aussi. On va s'en faire 22 aussi. Voilà, et on va se refaire des pokéballs. On va s'en refaire 22 aussi, tu sais quoi, 22 partout. J'avais utilisé des rappels tout à l'heure. On va s'en faire 13, nickel. Ça c'est des appâts. Fortement le Pokémon pareil, des monstres, des dragons. Vas-y, je me fais des appâts. Qui peut être vendu à la boutique. Ah, cool. Ah oui, d'accord, ça je peux le vendre en fait. On va essayer d'aller voir. Vendre à la boutique. Bah attends, on va essayer. Viens voir. Alors. Ressources. Vendre. Alors effectivement, je peux les vendre. Ah, c'est 1000 chacune. Cool. Vas-y, je les joins les 3. Alors je peux vendre les poudres étoilées. C'est 1000. Ça se revend 1000 par poudre étoilée. Mais le truc, c'est que si je les vends, peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Hein. Donc je suis pas sûr. Par contre, avant de terminer et d'aller... Tiens, il y a une mission secondaire là, on va aller la récupérer. On va utiliser les bonbons pour voir. Parce qu'apparemment j'en ai. Alors, je l'ai vraiment vu. Plaît-il ? Un feu follet. Petite balade nocturne. Ah oui, on a une mission à faire aussi sur la plage. Ah ouais, le jeu est top. Hein. Et vous avez plein d'épisodes déjà dispo sur la chaîne si vous voulez. Pourquoi fuis-on de me croire? Quelqu'un d'aussi fort que toi pourrait capturer un feu follet. Je crois que si je dis pas d'étis, il y a un épisode 2 qui vient de sortir sur la chaîne principale en plus. Ah, moi j'ai peut-être mis à 14h. Je sais pas. Peut-être. J'ai peut-être mis à 14h. Est-ce que vous voulez qu'on tourne une vidéo premières impressions? Parce que vous êtes tous à me demander ça. Ça vous permettrait d'avoir une vidéo dédiée. Comme ça, au moins, je renvoie tout le monde vers cette vidéo. Est-ce que ça vous intéresse qu'on la tourne? Comme ça, elle est dispo sur YouTube. Après 8 heures de jeu, premières impressions. Comme ça, au moins, ça fait une vidéo pour tout le monde. Dites-moi. Oui? Bon, on va faire ça. On va faire ça. Je vais récupérer ça. On va faire ça. Parce que sinon, parce que la question, elle revient sans cesse là dans les commentaires. Et c'est un peu compliqué de répondre à chaque fois toutes les 2 minutes. Donc on va le faire. J'utilise juste les bonbons utilisés sur Pikachu. Tiens, là, sur Pikachu. Vas-y, j'utilise les 2. Ok. Maîtriser une capacité. Moi, tu l'utilises sur Pikachu. De toute façon, le bonbon L. Bah attends, je vais en utiliser un sur lui pour voir. Ouah, 32, la vache. Et Pikachu... Ah, les bonbons L, par contre. Waouh. Pikachu a pris une nouvelle capacité. Non, mais attends, les bonbons, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Bon, allez. On va se mettre dans notre chambre pour faire un petit dodo. Et puis, on va terminer cet épisode-là, qui était l'épisode 6 Shiny et HK4, qui était trop cool. Et du coup, bah, à ce moment-là, on va tourner une petite vidéo premier avis après 8 heures de jeu. Ça sera cool. Jusqu'au matin. Allez, vas-y. Allez, fin de cet épisode.